Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un haul à action. Alors par contre, je vous informe que je suis enrhumée, donc j'ai une tête épouvantable. Et de deux, je vous informe que le bébé est en train de gigoter dans son petit parc. Donc peut-être qu'il y aura des petits bouts de dinosaures encore une fois. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors j'ai repris du bioéthanol. Alors ça, attention, allez-y avec précaution. Mais ça m'est très très utile pour faire le feu dans ma cheminée. Et voilà, mais comme je vous l'ai dit, faites attention parce que c'est super inflammable, faut pas déconner avec ça. Hein. Bouh, mon bébé. Ensuite, j'ai pris une petite bouteille comme ça pour mettre mon lait maternel pour donner à la nounou parce que... Alors, vous voyez cette vidéo, ça y est, la petite, elle est chez la nounou. Donc, à l'intérieur, vous avez 750 ml, ça s'ouvre comme ceci, ça se divise comme cela. Il y avait d'autres motifs différents, par contre, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il n'y avait pas transparent. Mais bon, je vais croire que mon lait maternel est bleu. Donc, voilà. Vous allez me dire que je prends de l'avance, c'est sûr, mais j'ai pris ceci, c'est de cette taille-là. Et ça, c'est des trucs, quand les enfants font des dessins, comme ça, ça évite qu'ils en foutent partout sur la table. Merci les petites de Marie, en passant. Et donc, ce motif-là, et j'ai pris ce motif-là. Avec les continents, et vous avez des petits animaux sur chaque continent, comme vous pouvez le constater. Et donc, voilà. Donc, ils font cette grandeur-là, je ne m'en sors pas, ils font cette grandeur-là. Et puis voilà, quoi, je trouve ça plutôt top et ça évite les débordements de feu sur ma belle table. Merci beaucoup. Encore et toujours, j'ai repris pour la petite, pour laver les bibons, les tétines et tout, du gel intime. Donc voilà, c'est celui-là. Et puis voilà, ce truc-là, je l'adore. Pour moi, pour laver les bibons, c'est le top. Toujours pour la petite qui est dans son petit parc, j'ai pris ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'adoucissant sensitive de la marque Silane. Je ne connais absolument pas. En tout cas, ça sent bon. Et puis voilà quoi. Par contre, ça fuit un peu. C'est pas possible. Je me suis repris ces bougies-là. Alors celle-là, elle a la pastèque. Je l'ai bouchée, mais je peux vous dire que ça sent bon. Et celle-là, elle est un petit peu pina colada. Elle dure 46 heures. Par contre, attention, je mets mon bémol. Parce que ces bougies-là, j'avais acheté les mêmes l'année dernière. Et il y en a une, le verre, il a explosé. Donc ces bougies-là, ne les laissez pas allumer si vous vous barrez de la maison. Parce que ça peut être limite dangereux. Et moi, vu que je suis une petite ouf dans ma tête, et ben je les ai repris. Bah ouais, j'ai même pas peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ensuite, j'ai pris ceci, un petit plumeau télescopique, s'il vous plaît. Et attention, nouveauté, parce qu'avant, ils n'étaient pas comme ça. Vous voyez, il se tchouk, télescopique et puis manche malléable. Et ce truc-là, c'est super bien, parce que moi, j'ai des hauteurs sous plafond et j'ai plein de petits araignées. Donc du coup, c'est plutôt pratique. Ils existaient en plein de couleurs, en bleu et en jaune. Et franchement, ce truc-là, allez-y, foncez, parce que c'est de la bombe. C'est de la bombe bébé. Pour mon mec, je lui ai pris un petit shampoing hydro-care de la marque Nivea. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, c'est à l'aloe vera. Comme ça, le pépère, il aura les cheveux soyeux. Pas comme sa meuf, parce que là, c'est pas trop ça. Et à l'intérieur, vous avez 250 ml, il y a de quoi faire. J'ai pris ça au rayon canin, hein, comme vous pouvez le constater. Et qu'est-ce que c'est? À quoi ça va me servir? Parce que vous allez me dire, mais Pew, t'as pas de chien, à notre connaissance. Donc ce sont des petites balles comme ceci qui font du bruit. Et moi, ce sera pour le bébé, pas tout de suite. Parce que là, autant vous dire qu'elle se prend ça dans l'œil, ça peut faire mal. Mais pour jouer, pour faire des trucs, pour faire rouler, pour qu'elle suive, voilà, on verra. Par contre, les picots sont vraiment très très piquants. Mais bon, on verra. Au pire, je fourguerai à quelqu'un qui a un chien. Tiens, joue! Allez! Amuse-toi! Je rigole, hein, je vais pas jeter dessus. Mais il y en a quand même un qui est tombé dans le parc, mais loin d'elle. N'appelez pas SOS enfant maltraité, merci! Je me suis pris des petits trucs comme ceci pour décorer l'album de bébé. Mais en fait, là, maintenant que je les vois, je les trouve un peu fades. C'est un peu chelou, on dirait que leur imprimante n'a pas fonctionné. Donc les motifs sont comme ceci. Et vous voyez, ils sont un petit peu... Palo, j'aime bien le petit chat en fait. J'ai pris pour le petit chat qui est un petit peu. Qu'est-ce que t'as? Hein, t'as un souci? Donc voilà, c'est chelou qu'il soit aussi pâle. Il y a aussi un petit chien. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. Pareil, hein, dans les tons très pâles. Et mes préférés, c'est le petit miaou, le petit chat. Et un autre que j'aimais bien, voilà, c'est le petit, les petits kiki.
donc voilà, la fille qui anticipe, qui savait qu'elle allait être enrhumée, donc du coup qui s'est pris 2 paquets de mouchoirs. Ceux-là, ils sont plutôt top, vous avez... Ah boubou, vous avez 3 épaisseurs et 80 tissus, donc du coup, ça va être l'idéal pour mon nez malade. Je me suis pris ça, c'est un petit nettoyant machine de la marque Finish. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai vu dans un haul que c'était super bien. Donc à tester, à voir. On verra ce que ça donne, hein. Encore et toujours pour le bébé. Des petites lingettes de la marque Huggies. Ceux-là, ils sont top, top, top. Franchement, je les adore. Il n'y a pas de parabène ni de pénoping. C'est marqué juste là, j'arrive pas à lire. Et donc voilà, ces lingettes-là, je vous les conseille à 2000%. En plus, elles sentent trop, 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 trop bon. Ça va, mon bébé cœur? Ouais, je me suis pris des petites éponges comme ça, je les avais jamais vues, donc vous en avez 3 à l'intérieur. Et donc ça, apparemment, c'est des éponges de ménage, convient parfaitement pour nettoyer les salissures tenaces. Ça tombe bien parce que chez moi, c'est un peu cracra. Donc à l'intérieur, vous en avez 3 qui font cette dimension-là. Et ça, j'espère que c'est plutôt pas mal parce que niveau tenacité de la saleté, on est dedans. On est bien dedans, hein. Hein, ma chérie? Elle est d'accord. Sexy glamour, des petites serviettes hygiéniques. 2 absorptions et vous en avez 30 à l'intérieur. On va pas parler plus longtemps de ces serviettes. Ce sont des serviettes de la marque Fema Pure. Attention. J'ai craqué, j'ai pris cette petite ampoule que je trouvais trop trop chou. Enfin, c'est pas une ampoule, c'est une guirlande lumineuse. Donc voilà, elle existait en plein de coloris différentes. Moi, j'ai pris le rose et le bleu, sachant qu'elle existait aussi en rose, rose, rose. Et en fait, grosso modo, vous avez un petit tire-liquiqui comme ceci. Ça fonctionne avec 2 piles moyennes et elle est comme ceci. Je la trouvais trop 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 chouette. Et ce que j'aime bien, qui change un petit peu, c'est des petits pompons comme ça. Par contre, c'est un peu con parce que du coup, on voit bien les piles, il faut les planquer. Mais donc voilà, je la trouvais trop 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 chouette et ça, je vais la mettre dans la chambre. Et donc voilà, voilà, elle est trop trop belle. N'est-ce pas? Ça peut vous faire une petite décoration comme ça. Toute beauté. Je me suis repris des petites pastilles comme ceci parce que franchement elles sont top. Je sais pas pourquoi j'en ai pas pris avant. À l'intérieur vous en avez 50 et ça rafraîchit super bien le gosier. Donc ces petites pastilles là je vous les conseille à 200%, elles sont top. Je sais pas si vous avez vu mais en fait Action ils ont des nouveaux sacs. Je ne les trouve pas vraiment top. Donc c'est marqué Action. Voilà. Et vous avez la petite lanière orange. Je les trouve un petit peu dégueulasses. Mais chut, 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 chut. Pas leur dire, ne leur dites pas. Pour la petite, j'ai pris ceci, vous savez, c'est un petit truc où on ouvre comme ça et puis on fait les petites. C'est trop trop beau, c'est trop joli. On fait des petites bulles, il y en a un peu trop là-haut, calmez-vous. Et donc ça, ça va me servir pour jouer avec elle. Attention, faut faire ça à côté d'elle, pas dans ses yeux, pour qu'elle suive tout simplement du regard. J'ai vu ça dans les maternelles, que ça pouvait être pas mal. Et donc voilà, donc on va tester, on va voir si madame suit bien les petites bulles. T'intéresses à bien les suivre, ma petite, hein. Encore et toujours, j'ai pris les piles Duracell qui durent 2 fois plus longtemps. À l'intérieur, vous en avez 8. Et puis voilà, ce sont des piles, tout ce qu'il y a de plus classique. Oui ma chérie, des petites piles. Ensuite j'ai pris cette petite carte en bois et je la trouvais trop 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 choute, du coup je l'ai pris. Donc elle est comme ceci, il y avait plein de motifs différents et vous voyez c'est du bois. Franchement je la trouvais trop trop choute et à l'intérieur vous avez aussi une petite carte. Je sais pas si je vais m'en servir en décoration ou si c'est pour offrir pour un petit concours. Mais donc voilà, elle est trop trop mignonne et franchement j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai pris un petit cadre comme ça. Je trouvais que la couleur était trop trop belle. C'est du 13 sur 18 cm. Vous avez une petite accroche, un petit tire-kiki pour pouvoir l'accrocher. Et puis, donc voilà, c'est un cadre. Et je le trouvais super joli pour faire une photo et pour mettre une petite photo du petit dinosaure dans les escaliers. Et ensuite, j'ai pris ceci pour mon petit chat parce que je n'ai pas de chien, mais j'ai un petit chat. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu. Comme ceci. Donc, c'est un petit tapis. Hop. Pour éviter qu'il foute des croquettes partout, parce que monsieur fout des croquettes partout, il y en a même qui sont collées à son mur. Et donc voilà, la matière elle est comme ceci, une petite patte de chien. Vous aviez plein de coloris différents, moi j'ai préféré prendre celui-là, mais il y avait du bleu, du rose, si je dis pas de conneries. Et puis donc voilà, j'espère que ce sera pratique et que du coup il n'y aura pas de croquettes partout. Hein mon chat? Ouais je te vois, je te vois. Voilà, le petit haul, il est terminé. Désolée pour les petits bruits de dinosaures. Vous voyez, elle change, hein, elle commence à faire des vraies petites bouées de bébé.
En tout cas, ouais, je vois que tu me regardes. J'ai vu que tu m'as vu, hein, j'arrive. Et donc voilà, bon, je vais vous laisser parce que mon rôle de maman m'appelle. Désolée pour cette tête fatiguée, désolée pour les petits bruits de dinosaures, mais entre la maman et le rhume, c'est pas évident, évident. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bébé, et bébé, et bébé, 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 et bébé, et bébé, et bébé, 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 bébé. Un peu taré la maman.